opportunity to tell her directly. Et je vais utiliser l'occasion pour lui dire directement. Every challenge in your life. Tout défi dans ta vie. God himself will take care of it. Dieu lui-même prendra charge. Whatever you have ever seen as a challenge in your life. Tout ce que tu as eu à voir comme défi. I speak to you as a son of God. Je te parle comme un serviteur de Dieu. God will take care of it. Dieu prendra charge de tout cela. I say he will take care of it. Dieu prendra charge de tout cela. I know what I'm saying. Je sais de quoi je parle. It's over. C'est fini. Amen. God himself will take care of it. Dieu lui-même va prendre charge de ça. Ce n'est qu'à toi de faire une ou deux choses et ça sera compris. Et je m'arrête là. Amen. Amen. Flo, where were you for these 2 days? Ta Flo, tu étais où pendant ces 2 jours? Ah? You traveled? Tu as voyagé. Oh God. There's a cancer that God gave for her. Et avec quelque chose que Dieu avait donné pour toi. Let me tell you, that program like this, you don't miss it. On ne rate pas ce genre de programme. I choose not to tell you or not. Je décide maintenant de te dire ou pas. I choose what I have to tell you or not. Je choisis de te dire ou pas. And if there is anyone that, please, if I ever tell you to meet me after the service, don't pass more than 2 days, 3 days without seeing me. Il a dit de me voir après le culte, ne dépasse pas un ou deux jours avant de me voir. If I ever tell when I'm preaching, I say see me after the service, don't pass more than 2 days or 3 days without seeing me. Si en preaching, je te dis, vois-moi après le culte, ne dépasse pas un jour sans me voir. We must be disciplined. Nous devons être disciplinés. You may not understand what I'm passing through to you, mean tell you, come and see me. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je traverse pour te dire, viens me voir. Before I leave this place, this veranda, at least you should struggle and see me after every service. Avant même de quitter cette salle, il faut tout faire pour me voir. If you have an appointment with me. Si j'ai un rendez-vous avec toi. When I go and I reach the house. Quand je suis déjà à la maison. I may not like to talk to you again. Je ne pourrais pas, il ne pourrait pas aimer te parler encore. We need to be disciplined. Nous devons être disciplinés. We need to be disciplined. Nous devons être disciplinés. Amen. Amen. There are certain things I may tell you this morning. Il y a certaines choses que je pourrais te dire ce matin. That you may have never encountered in your life. Que tu ne pourras pas. Tu ne pourras jamais avoir raconté ça dans ta vie. Tu peux commencer à dire que voici ce que je vois. You may think I'm conjuring things in the air. Tu peux croire que je suis en train de deviner les choses. But take it very seriously. Mais il faut le prendre au sérieux. Amen. Amen. So this morning, ce matin, I believe God will speak to you this morning. Je crois que Dieu va te parler ce matin. Amen. So if there is something you need to know, si il y a quelque chose que tu dois comprendre, I believe God will speak to you. Je crois que Dieu va te parler. Amen. Amen. You need a counsel from heaven. Tu as besoin d'un conseil du ciel. Not a prophecy, a counsel. Pas une prophétie, mais un conseil. From heaven. Une parole du ciel. Are you getting what I'm saying? Very serious. Très sérieux. Very serious. Très sérieux. I don't want to talk on that. On ne peut pas parler plus que cela. I pray I go put me in a position to tell you what. Je prie que Dieu va me mettre dans la position pour te parler. Because even the business you are into, if God counsel is not there, you will not go to anywhere. Parce que même le business que tu as fait, si le conseil de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas là, tu n'arriveras à rien. Amen. 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 Everyone who has testified here. Tous ceux qui n'ont pas témoigné ici. Then you have a testimony. Tous ceux que tu as un témoignage. Carry it next week. On rapport de la semaine prochaine. Amen. 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 We carry it next week. À la semaine prochaine. In Jesus' name. Amen. Amen. So open your spirit. Ouvre ton esprit. Because God is about to speak to someone expressly. Parce que Dieu veut parler expressement à quelqu'un. Who is sleeping on the opening the mouth? Qui dort jusqu'à ouvrir la bouche? Amen. Amen. Thou shalt not sleep. Faut pas dormir. Hallelujah. Amen. So I'm going to preach a very simple message. Vous prêchez un message simple. I've seen that my time is already gone. Je vois que je n'ai pas assez de temps. So we are going to see what God has for us. Je vais voir ce que Dieu a pour and nous. I'm going to talk on the topic entitled The Power of Sacrifice. Je vais parler sur le sujet la puissance des sacrifices. The power of sacrifice. La puissance des sacrifices. The other days we're not talking the style I'm going to talk now. Aujourd'hui, on ne parlait pas de la manière dont on veut parler maintenant. But today,
God has something big for you. Mais aujourd'hui, Dieu a quelque chose de grandiose pour toi. And I've come to this call from the word of God. Et je me suis rendu compte de la parole de Dieu. There are some battles you cannot win until you give sacrifices. Il y a certaines batailles que tu ne peux pas dompter sauf quand tu donnes des sacrifices. There are some battles you cannot really emerge victorious until sacrifices have been made. Il y a certaines batailles que tu ne peux pas sortir vainqueur sauf lorsqu'il y a les sacrifices. As a matter of fact, I told us in the first day that our life is characterized with the battles. Je nous ai dit le premier jour que nos vies sont caractérisées par les batailles. So if we must be able to emerge in some battles, we must give some sacrifices unto God or unto some people. Nous devons sortir victorieux, nous devons donner un sacrifice à Dieu et à certaines personnes pour atteindre la victoire. It doesn't matter how beautiful you may look like. Peu importe ta beauté. If they have held you in the village. Si on t'a arrêté au village. They have held you some altars. On t'a arrêté sur les hôtels. No matter how beautiful you may look like. Peu importe ta beauté. Men will just see you. Les hommes vont te voir. I think it's fine, oh. La fille c'est belle, oh. This man beautiful. Cette fille est jolie, oh. When it is your day of proposal, turn their face. Quand c'est le jour qu'on doit proposer le mariage, ils vont tourner leur face. Do you think that some of us are still here not married? Think that just think that just normal. Est-ce que tu crois qu'il y a certains qui sont assis ici sans être mariés? Est-ce que c'est normal? Some of us, it is the way we talk. Certains nous, c'est la manière dont nous parlons. Oh God, go help us. Dieu nous aide. Amen. Go help us in Jesus' name. Dieu nous aide au nom de Jésus Christ. Hallelujah. Amen. So, mind the way you talk around people. Il faut te méfier la manière que tu parles autour des gens. Mind the way you comport yourself in the midst of people. Il faut prendre soin de la manière que tu te comportes avec les gens. A man will come to propose to you. The man will be making interest, advances, and interest. Un homme vient pour faire les avant, la promotion pour te marier. Mais just somewhere, just give me talk anyhow. Tu parles n'importe comment, quelque part. Il va essuyer la langue que non, je suis plus là. Amen. Thank you, Jesus. Amen. So, if we must emerge victorious, si nous devons sortir vainqueurs, we must strategically, consciously put some things in place. Nous devons mettre les choses strategiquement en place. With God, things don't happen anyhow. Avec Dieu, les choses ne passent pas n'importe comment. With God, things don't happen by chance. Les choses ne passent pas par chance avec Dieu. If you come, you came to church this morning, I just relax on the chair and just see that Peter God will meet you at that relaxation time. Si tu es venu ce jour et tu crois que tu es relax, Dieu va te rencontrer dans ton temps de relaxation. God, this is people who are willing. For his visitation. Dieu rend visite aux gens qui sont prêts à le recevoir. If you are here this morning, si tu es ce matin, and you need God's visitation, lift up your hand. Et tu as besoin de la visitation, Dieu lève la main. Fathers, look down as your people's hands are lifted up. Seigneur, comme les mains des enfants sont élevées. Look down how your people's hands are lifted up. Regarde comme les mains sont élevées. Answer them in their areas that they need answers. Et réponds-le dans le cadre de leurs besoins. Everyone in the house, Father, answer them. Seigneur, réponds à tout le monde dans la maison. Answer them. Réponds-le. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Lift their hand. Mettez les mains. If I suppose you say, if you need an answer, lift your hand. We are still meeting girls. Même quand le pasteur dit que ceux qui ont besoin de répondre, lever les mains, on fait toujours un gars. Amen. See, let me tell you. Que je vous le dise. In this type of atmosphere, don't make girls. Dans ce genre d'atmosphère, ne fait pas. If I were you, I would lift up my hand to the highest. Si c'était vous, j'allais lever mes mains le plus haut. If I were you, I would stand up and say, God, let me. Moi, je me mettrais même debout pour dire que Dieu me voici. Amen. Amen. God will help us. Que Dieu nous aide. God will help us. In Jesus' name. Amen. So we'll start from the book of Genesis. On va commencer dans le livre de Genèse. I'll be very fast and I'll cut it the way I can cut it short. Je serai rapide, mais je vais essayer de couper. Genesis 22. Genèse 22. My French reader and my English reader, I hope they are set. J'espère que mes lecteurs en français et en anglais sont prêts. You read verse 1 and verse 2.
and verse 15 to 17. French. Genesis 22. Genèse 22. Verse 1 and verse 2. 1 et 2. 15 to 17. 17. 15 à 17. Genèse 22, 1 et 2, 15 à 17. Mm-hmm. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répond, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 10. Verset 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Yes, sir. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will show unto thee. And the angel of the Lord called upon Abraham out of heaven the second time, and said, by myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess a gate of his enemies. Amen. 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 Hallelujah. Amen. I want to thank Sister Jackie for the work she has done, God has to do in my life. Je veux remercier Jackie pour ce que Dieu l'a utilisé pour faire dans ma vie. You may not understand. I could not stand on Sunday last week like this, the way I'm standing. Vous ne pouvez pas comprendre dimanche parce que je peux me tenir comme ça. Amen. Amen. Until my sister who came here 3 days ago came, he saw me yesterday and said, but have you just changed like that? Jusqu'à ma soeur qui est venue ici m'a demandé comment tu es changé comme ça. I said, the person who held his leg is an expert. Il dit que la personne qui a arrêté le pied ici est un expert. Le diable a échoué. All his plans against my life has failed. Tous ses plans contre ma vie ont échoué. All the plans against your life has failed. Tous ses plans contre ta vie ont échoué. It may tarry, but it will surely come to pass. Ça peut retarder, mais ça va s'accomplir. It may tarry, but it will surely come to pass. Ça peut retarder, mais ça va accomplir. So this morning, ce matin, we have to see Papa Abraham. Nous allons voir le père Abraham. A man who stood by God. Quelqu'un qui s'est tenu à côté de Dieu. No matter what came his way, he said, I will stand by the word of God. Peu importe ce qui est arrivé, il a dit que je vais me tenir sur la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, 1 et 2. 1 et 2. God has promised him great things. Dieu lui a promis les grandes choses. So you are blessed. Que tu es béni. Anyone that touches you touches me. Tout ce qui te touche me touche. Anyone that touches you, I curse. Tout ce qui te maudit, je le maudis. Anyone that blesses you, I bless. Ce qui te bénit, je le bénis. As a matter of fact, you are blessed. Tu es béni. Amen. 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 Mais in chapter 22, God tested him. Dieu l'a testé. God tested him. Dieu l'a testé. Amen. Amen. God made sure that he needed to know who was Abraham. Dieu a voulu comprendre qui était réellement Abraham. Amen. Amen. So when I come and touch your head, I know that you should not sleep. Quand je touche ta tête comme ça, ça veut dire que tu ne dors pas. Oh, let this platform bring touch people's heads.
Nous quittons la relation, venez toucher les têtes des gens. Amen. Le fait que tu précises dans la prédication et tu es en train de dormir. Hallelujah. Amen. That's where I did. So, it got to a point where God had to test Abraham. C'est arrivé au niveau où Dieu devait tester Abraham. Do you know that most of the time God has tested us, but we failed? Est-ce que vous savez que plus de temps Dieu l'a testé, on a échoué? God may just bring somebody in your house. Dieu peut amener quelqu'un dans ta maison. You have the last meal. Tu as ton dernier repas. Then maybe you have just fasted for 3 days. Peut-être tu viens de finir jeûne de 3 jours. And somebody just comes to you and says, sister, wait no day. Quelqu'un vient te dire, ma soeur, il n'y a pas moyen. Il dit que même chez toi, il n'y a pas moyen. Comme par contre, je me suis rappelé une histoire. My pastor who brought me up. Mon pasteur qui m'a élevé. He told me how when he was being brought up to me by his own pastor. Il m'a dit que comme, quand son pasteur l'a élevé aussi, he went for 3 days fasting. Il est allé pendant 3 jours le jeûne. After the third day that he was breaking après up, le troisième jour qui cassait le jeûne, he went and bought this kuma bread. Il allait acheter le pain de Kuba. That was the only thing that he had to break his fasting. C'est la seule chose qu'il avait pour casser sa jeûne. And the third day he wanted to start eating. Et quand il voulait commencer à manger, somebody told me, don't go, close the door and don't watch. Il avait fermé la porte. Quelqu'un a toqué à la porte. He wanted to eat it with bread and water. Il voulait manger ce pain avec de l'eau. Somebody knock, come, come. Quelqu'un a toqué à la porte. A fellow pastor, a young pastor, turned up the door. Un jeune pasteur toqué sur la porte. Say, pastor, wait a day. Il a dit, pastor, ça ne va pas. He pushed on a chair. Il a poussé ça sur la chaise. He just pushed the bread on a chair. Il a poussé le plat sur la chaise. La place, le plat sur la chaise. Say, wait a day. Que même moi, il n'y a pas moyen. Amen. Amen. Et dit que tu me vois comme ça, j'ai fait 3 jours de jeu. Et je crois seulement à Dieu. Que Dieu va pourvoir pour que je casse le jeu. Le flou de passé là est rentré sans rien. Amen. Quand il est parti, quand il a pris le pain là pour manger, il a suivi la voix de Dieu clairement. You will not see any bread again. Tu ne verras plus le pain. He said after 3 months, about 3 months. Il dit que pendant 3 mois, he cannot get the 100 francs that was. Il ne pouvait pas avoir même 100 francs qui l'appartenaient. He had to repent. Il s'est repenti. Listen to me. On time God tests us. Écoutez-moi, il y a certaines fois où Dieu nous tente. There are things that God tests us. Il y a des fois où Dieu nous tente. Nous teste. I may look very small in your eyes. Et ça pourrait apparaître petit devant tes yeux. Some of us, God may have laid your hand and give that treasure and put it onto somebody. Peut-être dans ton cette famille de Dieu a mis dans ton cœur que la Bible que tu portes à quelqu'un. Emmanuel. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Avant give. Amen. And he gave me for what? Je ne donne pourquoi? Il a donné much good. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pardon, aidez-moi. Please help me. Non, tu n'es pas. Please help me. Amen. God allows all these things for him to know who you are. Dieu laisse certaines choses pour comprendre qui tu es. If you read this verse 20, chapter 22 very well, you discover that God said, now I know. Si tu lis le verset 22, Dieu dit, maintenant je sais. Now I know you. Maintenant je te connais. Let me ask you. Je vais te poser une question. If God happened to ask you that question. Si Dieu te pose cette question. Who are you before me? Qui es-tu devant moi? If God had to test, give us more, this test. Si Dieu devait nous donner ce test, what will be our reaction to the test? Quelle sera ta réaction à ce what test? Will be our behavior? Quelle sera ta réaction? Amen. Amen. I've made up my mind. Je me suis décidé that I will not be a failure. Que je ne serai pas un échec. To God and to man. À Dieu et à l'homme. Are you getting what I'm saying now? Est-ce que vous comprenez? I've made up my mind. J'ai décidé. I want to be useful. Je veux être utilisé. That God will say, my son, you have done well. Et Dieu dira, mon fils, tu as bien fait. Amen. Amen. I want to reach a particular age that my daughter will turn and say, daddy, I'm proud of you. Je veux arriver à un niveau où ma fille va se tenir comme mon père. Je suis fier de toi. I wonder if I'm not here. Pastor go somewhere and say, no, this young man, I'm proud of you. Je veux être au niveau où qui passait pas, qui pas, qui suis pas là, dit que non, mon jeune homme, si je suis fier de lui. I wonder wherever he goes, no, I have my pastor, I'm proud of my pastor. Je veux que quand tu parles quelque chose, tu seras capable de dire, j'ai mon passé, j'ai fier de lui. La question dont j'ai à vous poser, c'est, I'm proud of you. Est-ce que tu peux être fier de toi? I'm proud of you. Est-ce que Dieu peut être fier de toi? Dans tes moments les plus sombres, que Dieu peut être fier de toi? For me, I've made my mind. Pour moi, j'ai décidé God, first, proud of me. Que Dieu sera fier de moi.
I get what I'm saying now. Vous me comprenez? No matter what happens. Peu importe ce qui va se passer. Even if I don't eat. Même si je ne mange pas. I want God to be proud of me. Je veux que Now I know you are my son. Pour dire vraiment, je sais tu es mon fils. Are you talking now? Vous me comprenez? Amen. Amen. Don't follow the crowd. Ne poursuis pas la foule. Follow the spirit of God. Suis l'esprit de Dieu. Abraham never followed the crowd. Abraham n'a pas poursuivi la foule. As a matter of fact, he has never heard this type of instruction anywhere. Il n'a jamais entendu ce genre d'instruction quelque part. Do sacrifice your own son. Vous sacrifiez ton. Oh. Pour sacrifier ton propre fils. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You see how they have distracted me? May God help us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Changes. Usher, please, these two young men, they are trying to tell me that our stomach is sleeping. Amen. Amen. Where was I? Hallelujah. Amen. God help us this morning. Que Dieu nous aide ce matin. In the name of Jesus. Amen. God had to tell Abraham to sacrifice his own son. Dieu a dit à Abraham de sacrifier son unique fils. The one he loves. Celui qu'il aimait. Let me tell you, where he concerns God, don't give him anything. Quand il s'agit de Dieu, tu ne peux rien lui donner. Where he concerns God, don't give him anything. Quand il s'agit de Dieu, tu ne peux rien lui donner. Not any kind of thing to God. Tu ne donnes pas n'importe quoi à Dieu. The one he loves. Dieu dit celui qu'il aimait. As a matter of fact, you love your life very well. En point de Dieu aime ta vie vraiment. That's why God said, give me your heart. C'est pour cela que Dieu demande d'abord ton cœur. Donne-toi à moi. Est-ce que vous comprenez? God does not want any type of thing. Dieu ne veut pas n'importe quoi. That's why the book of Malachi. C'est pour cela le livre de Malachi. Chapitre 1, verset 6. So you honor your master. Il dit, vous honorez vos maîtres. Then I be your master, where is the honor? Mais si je suis maître, pourquoi vous, où est mon honneur? Mon honneur. Are you understanding what I'm saying? Vous me comprenez? You honor your governor. Vous honorez vos dirigeants. I be your master, where is my honor? Moi qui suis votre maître, où est mon honneur? God needs the best from us. Dieu a besoin du meilleur de nous. Listen to me. Écoutez-moi. If I'm standing today, preach this gospel to you. Je suis ici aujourd'hui pour préciser l'évangile. Hear me very well. Let me say in very strong terms. Écoute-moi très bien. Dis ça fortement. It's not because I'm strong. C'est pas parce que je suis fort. It's not because I'm holy. C'est pas parce que je suis saint. It's because of some secret I want to share with you this morning. C'est à cause des différents secrets que je veux partager avec toi ce matin. When I give my life to Jesus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. 2005. By then I'm just entering into the things of immorality for about 1 year before that time. J'avais entré dans l'immoralité un an avant, dans 2014. My spirit was hard. Et mon sang était chaud. Uh-huh. I was hard, I was energetic. J'étais vraiment chaud. I told God of God. J'ai dit à Dieu que Dieu. Ta parole m'a dit de me donner à toi. But if I must succeed this race, je dois réussir dans cette course. There's only one condition. Il n'y a qu'une seule condition. I give my own condition. Je donne ma condition. I get what I'm saying now. Vous me comprenez? You must help me to take away this desire. Tu dois m'aider à enlever ce désir. Because I discovered that girls love me so much. J'avais constaté que les filles m'aimaient beaucoup. Even in my dry pocket. Même étant poché. They just begin to come from every direction. Elles venaient de toutes directions. I get what I'm saying. Vous me comprenez? And I knew that was my weakness. Et c'est vrai que c'était mon point de faiblesse. It was a problem to me. C'était un problème à moi. How would I say no to these fine girls? Comment je peux dire non à ces jolies filles? So I had to take a different step. Donc j'ai pris un autre pas. It's not that thing that when I made an order call, I repeated no. Ce n'est pas que je dois aller devant pour me dire que je dois faire. I said God, if I must succeed with you. J'ai dit Dieu, je dois réussir avec toi. In that serious business. Nous devons entrer en business. Serious agreement. Une alliance vraiment sérieuse. You say in your word, you don't break the covenant. Tu dis dans ta parole que tu ne brises pas ta alliance. Et moi, de mon côté, je ne veux pas briser mon alliance. So I had one service like that. Pendant un culte, on Sunday day, dimanche, pastor has preached very wonderful message. Le pasteur a prêché. I was offering that he wanted to call an offering. C'était lors d'appeler pour l'offrande. Lift up your offering before God. Enlevez vos offrandes devant Dieu. I told you I had dry pocket at that time. Vous avez dit que j'avais les poches fauchées. All my life income. Tout ce que j'avais was 50 francs. C'était 50 francs.
removing my pocket. J'ai enlevé de ma poche. I told God. J'ai dit à Dieu. Father, this is not an ordinary offering. Il dit que Seigneur, ce n'est pas une offrande ordinaire. I'm entering with you. Mais c'est une alliance que tu as de le faire avec Lord, toi. The day I sleep with any woman. Seigneur, le jour que je couche avec une femme. Not my wife. Qui n'est pas ma femme. Let me die on top of her. Que je meure sur elle. I say amen. Il dit amen. Je suis allé donner l'offrande. Let me tell you, God, Dieu a confirmé. That was the day that God started opening my eyes. C'est le jour là que Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. My eyes pop open. Mes yeux sont ouverts. My ears open. Mes oreilles sont ouvertes. I could count people from inside to outside. Je pouvais évaluer les gens. Je pouvais regarder les gens. By the power of the covenant of God. À cause de God saw my heart. Dieu a pris mon cœur. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui rend différent. Et c'est l'état de ta pensée qui te rend différent. So God saw the heart of Abraham. Tu as vu le cœur d'Abraham. Say, now I know. Il dit maintenant je sais. See, God must know you for something extraordinary. Dieu doit te connaître avant de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Are you saying that? They beg people this time to go to church. On paie les gens pour aller à l'église. They beg people to be in choir. On paie les gens pour être dans la chorale. Listen to me. Écoute-moi. You must step out of that room. Tu dois quitter le cercle. And thank God of serious business. Il faut être sérieux avec Dieu. Am I communicating here? Vous êtes parlé avec quelqu'un? If I prophesy to everybody here, je prophesie à tout le monde ici. And your life does not change to God's direction. Et ta vie ne change pas. I will not help you. Avec Dieu, je n'ai rien, je pas aidé. Are you saying now? Vous comprenez? Even up to now, there are still some powers that are trying to resist me. Même maintenant, c'est une puissance qui essaie de me résister. But I've told God I need to still renew some promises. Mais j'ai dit à Dieu et j'ai besoin de renouveler ces alliances. On peut renouveler les alliances. Hello. Ah. This is a serious message. Voici un message sérieux. I was supposed to buy 2 flowers. I was supposed to have finished, but wait, things are going. Don't permit me to go. Permettez-moi de continuer. Is it last part for every night I have the best? On dit que le dernier. La fête de ma vie. I'm sure in my heart that God has to visit somebody else. Je suis sûr dans mon cœur que Dieu va me visiter quelqu'un. So don't care about that. Non, ne regarde pas le. My coach told me that you take at most 45 minutes at most. Mon coach m'a parlé de 45 minutes. Coach, just permit me to go to my office. Permets-moi de continuer ce matin. Now you know my coach. Vous connaissez mon coach maintenant. Amen. Amen. I'm talking about my coach, you don't know. Je parle de mon coach, vous le connaissez. So just allow me to pray. Amen. Amen. There are certain things in our life that God must see our heart before He reacts. Yes, there are things that que Dieu doit voir avant de agir. Listen, God can easily heal an outsider that just come in today. Dieu peut facilement guérir quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui. But somebody who is really a child of God. Mais quelqu'un qui est vraiment enfant de Dieu. God sees some certain things before touching that person. Dieu doit voir cette chose de cette personne. Est-ce que vous comprenez? God puts some certain things in place to see if that person is keeping the standard of his word. Dieu va mettre certaines choses en place pour voir si la personne la garde sa parole comme elle veut. You are qualified for this miracle. Pour dire tu es qualifié pour ce miracle. Oh, you are qualified. I pray that all of us this morning shall be qualified for God's miracle. Je prie que nous serons qualifiés pour le miracle de Dieu aujourd'hui. Now we shall be qualified for God's answer. Que nous serons qualifiés pour la réponse de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I say, if you must run this race, dangerous decision you must take with God. Et tu dois vraiment gagner cette course. Il y a cette décision que tu dois prendre avec Dieu. Mais non, on va prendre mon step parce que vous m'avez fait un peu de temps. Ne prends pas ma position parce que tu peux parler comme moi, tu meurs. I'm not giving you an example. Je vais seulement donner un exemple. Take it up, say now. Vous comprenez maintenant. I hope our camera will not fail us today. Amen. Amen. I hope our camera will not fail us because it failed us yesterday. Amen. Amen. So, I want you to know. Je veux que tu saches. God had to watch the life of Abraham. Dieu devait vraiment regarder la vie d'Abraham. Say, go to the mountain. I will show you. Et pas au montant que je vais te montrer. Go to the place I will show you. Pas là où je vais te montrer. Let me ask you, are you where God wants you to be? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Or are you going towards the direction of God wants you to be? Ou est-ce que tu pars vers là où Dieu veut que tu sois? Most of us never hear me hear God's voice and talk of the one where God wants to be. La plupart du temps, on ne comprend même pas Dieu. On parle même de connaître là où il veut que nous soyons. Quelqu'un qui a le tous, aide-moi. Hallelujah. Amen. 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 God help us in Jesus' name. Thank you. I'm not talking to you. I ask for my privilege to. Thank you. Hallelujah. Amen. God is interested, thank you, man, in visiting us. Dieu est intéressé à nous rendre visite. C'est mon travail,
we are not position where God has to visit. When the people are done, some part now who Dieu peut nous rendre visite. I get what I'm saying now. Est-ce que vous comprenez? He has given us instruction time and again. Il nous a donné les instructions maintes fois. But we say God, we keep on procrastinating. Mais on renvoie toujours. I will. Je veux. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. There's something that just coming to me now. Il y a quelque chose qui vient de me démarrer maintenant. That floor, are you ready for God? That floor, est-ce que tu es prêt pour Dieu? Are you ready? Est-ce que tu es vraiment prêt pour Dieu? God is watching you. Dieu est en train de t'observer. God is watching you. So Dieu t'observe sérieusement. God is watching you. Dieu t'observe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So God is interested in visiting each and every one of us. Dieu est intéressé à nous rendre visite. If you look at him very well, right down to verse 18, it's called that God began saying, I will bless your descendants, I will bless you, they shall be great. Si tu lis jusqu'à 18, tu vas voir comment Dieu dit tes descendants seront. By one single example, right. Abraham passed. Mais un seul examen et Abraham a passé. Listen to me. Everyone under the sound of my voice this morning. Tous ceux qui m'écoutent ce matin. God who created you has a reason of creating you. Dieu t'a créé pour un but. And he has released behind you to take care of you. Et il y a les agents qu'il a relâché derrière toi pour prendre soin de toi. Journey of life. Dans ces courses de la vie. Are you getting what I'm saying now? Vous comprenez? But you will only determine why they will do it well or you don't go back. Mais ça te donne de décider soit il va bien travailler ou ils ne vont rien faire. Amen. Amen. So anyone that is under the sound of my voice this morning. Tous ceux qui m'écoutent ce matin. Whether through social media or through any means. Peu importe de quel moyen. God's hand is upon your life. La main de Dieu est sur ta vie. Are you getting what I'm saying now? Vous comprenez? Listen to me very well. Écoutez-moi très bien. God has not forgotten anyone that he created. Dieu n'a jamais oublié personne qu'il a créé. It may just be that he is looking for a better moment to visit you. Ça pourrait être qu'il cherche un meilleur moment pour te rendre visite. The fact that A has received his miracle today. Le fait que A a reçu sa miracle aujourd'hui. The fact that B has received promotion today. Le fait que B a reçu. It doesn't mean that our God in heaven has forgotten you. Le fait de que le Dieu le sait t'a oublié. Your time is coming. Ton temps arrive. I say your time is coming. Ton temps arrive. Your time is coming. Ton temps arrive. When your own God will be a talk of the town. Et quand ton temps va arriver, on va en parler de ça. Quand ton temps va arriver, on va en parler. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Mama then said she saw a plane. Elle m'a dit qu'elle a vu un avion. And the plane was dropping down goodies. Et l'avion a jeté les dons. Remember, she's the mother of the house. Souvenez-vous, elle est la mère de la maison. I want you to know. I want to explain to you what. Je vais expliquer ce que cela veut dire. God has released a spiritual jet. Dieu a relâché un avion spirituel. And the plane is carrying goodies. Et cet avion porte les dons. This morning. Ce matin. Angels are about to push them down to your life. Les anges sont en train de les jeter dans ta vie. Things are about to change your destiny. Les choses sont en train de changer. Things are about to happen your destiny. Les choses sont en train de changer. Are you saying now? It may have started, but now it is coming with speed. Ça pourrait avoir éparé, mais ça vient de faire rapidement. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Satan is in trouble. Le diable est dans le problème. Psalm King chapter 3. Deux rois 3. First King, Lala, first King. Un roi 3. I want first reader to take this part. This passage. Je veux que quelqu'un va lire rapidement. From 3 to 14. De 3 à 14. That's our main passage today. C'est notre passage clé pour aujourd'hui. First King 3 to 14. Un roi 3, 3 à 14. French, please. En français. À 14. Salomon aimait l'Éternel et se conformait aux instructions de son père David. Seulement lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit : Demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit :
Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as consolé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse, de l'intelligence comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Amen. Amen. In English. Solomon loved the Lord and lived by his father David's rules. However, he still sacrificed and burnt incense at those other worship sites. King Solomon went to Gibeon to sacrifice because it was the most important place of worship. Solomon sacrificed 1,000 burnt offerings on that altar. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night. He said, "What can I give you?" Solomon responded, "You have shown great love to my father David, who was your servant. He lived in your presence with truth, righteousness, and commitment. And you continue to show him your great love by giving him a son to sit on his throne today. Lord my God, although I'm young and inexperienced, you have made me king in the place of my father David. I'm among your people whom you have chosen. They are too numerous to count or record. Give me a heart that listens so that I can judge your people and tell the difference between good and evil. After all, who can judge these great people of yours?" The Lord was pleased that Solomon asked for this. He replied, "You have asked for this and not the long life or riches for yourself or the death of your enemies. Instead, you have asked for understanding so that you can do what is right. So I am going to do what you have asked. I'm giving you a wise and understanding heart, so that there will never be anyone like you. I'm also giving you what you haven't asked for, riches and honor, so that no other king will be like you as long as you live. And if you follow me and obey my laws and commands as your father David did, then I will also give you long life." Amen. Amen. God bless the reading of his word in Jesus' name. Amen. This is a very wonderful passage. Voici un passage merveilleux. A passage that whenever I think about it brings me back to a place of sacrifice. Un passage que chaque fois que je pense, je me ramène au lieu de sacrifice. Remember, he was following the instruction and the teachings of his father David. Souvenez-vous, il suivait les instructions de son père David. Remember, his father has taught him the right principles, the right son ways. Père lui a enseigné la bonne voie, les principes. Even though he loved women so badly. Malgré le fait qu'il a beaucoup aimé les femmes. Il y a les bons habitudes que son père lui a enseigné. Qui n'a pas laissé mourir. Number one. Première chose. Parents, we should learn to teach our children the good things that we are supposed to teach them. Les parents, nous devons enseigner à nos enfants les bonnes choses que nous devons les enseigner. It's a duty for us parents to take care of our children and give them the right teachings when they need it. C'est notre devoir de prendre soin de nos enfants et les enseigner ce qu'il faut les enseigner. I heard of a story about a young man. J'ai suivi l'histoire d'un jeune homme who has gone all along stealing and doing terrible things. Qui allait voler de ci et là. And when they were about to kill him. Et lorsqu'on a voulu le tuer. They asked him, does he have anything to say? On lui demande, est-ce qu'il a quelque chose à dire? He said yes. Il a dit oui. So he asked him to say to the father. Il a dit qu'il avait quelque chose à dire à son père. Father, come. Il n'est pas bien. I have to speak with your ears. Il doit parler à ton oreille. And when the father came. Et quand le père est venu. He pissed the father's ear. Il a croqué l'oreille de son père. And he
He said, you have been a failure to me. Et il dit, tu as été mon échec. When I was going wrong, you never trained me to be. Quand j'allais, quand je faisais ce qui n'était pas bien, tu ne m'as pas donné pas fait. Now some of our children are in our house and besides, I do wrong thing. We are seeing them. Certains de nos enfants sont à la maison en train de faire les mauvaises choses. We are seeing it's a trend of the society now. Et on est dit, on est que nous c'est comme ça. Take them to the right principles. Il faut les enseigner les bons principes. According to Proverbs 22 verse 6. C'est un proverbe. 22 verset 6. He said, train up a child in the way that child will grow. Il enseigne l'enfant comment l'enfant doit grandir. And when he grows or when she grows, et quand l'enfant va grandir, will not depart from it. Il ne va pas abandonner ce chemin. Say amen to that. Dis amen à cela. Amen. 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 So Solomon has taken this habit from the father. Solomon a pris cette habitude de ton père. Listen, if you are fighting your wife or your husband. Si tu luttes avec ta femme ou ton mari, those who have seen it, les enfants sont en train de voir. Are you not seeing? Tu me comprenez? Whatever good thing you do. Tout ce que tu fais de bon, they seen it. Ils y voient. One day I was watching my daughter and my wife on screen on the phone. They called me on a video call. Un jour, on faisait l'appel vidéo avec ma femme. And my wife kept showing me, showing my daughter how she was doing something. Et ma femme a montré à ma fille comment elle faisait quelque chose. She took wrapper. Elle a pris la paille que sa mère utilise pour l'attacher. And she was trying to buy the mother. Elle essayait de porter la main sur sa main sur son dos. She took the wrapper. She was trying to buy the mother. Elle a pris ce tissu pour attacher la main. 1 year 7 months. 1 an 7 mois. She is taking note of every little thing the mother does. Elle est en train de prendre note de tout ce que sa mère fait. There are certain things we say around our children. Il y a des choses que nous disons au côté de nos enfants. Around the world, we think it doesn't matter. Est-ce que ce que nous faisons autour de on croit que ça ne compte pas? Don't mind. After 2 days, 3 days, see the start doing the same thing. Laisse 2 ou 3 jours après, tu vas le voir commencer à faire les mêmes choses. Amen. Je vais parler à quelqu'un. Let me move to my topic. Rentrons dans mon sujet. Amen. Amen. So, Solomon has learned this habit from the father. Salomon avait appris cela de son père. So he knew that it was time for him to go and give sacrifice to God. Il savait que c'était l'heure pour lui qu'il donnait le sacrifice à Dieu. And he gave the best to God. Et il a donné son meilleur à Dieu. And if you read well, you see that the number of things he gave and the quantity of things he gave. Si nous avons bien voir le nombre et la quantité de choses qu'il a donné. J'ai dit ici que quelqu'un apporte un sacrifice à Dieu aujourd'hui. Step into your purse now. Si tu entres dans ta poche maintenant. Step into your heart now. Si tu entres dans ton cœur maintenant. It's the list of the things that you think you should give to God. C'est la chose la plus moindre que tu penses de donner à Dieu. Listen, it's not how big it is. Ce n'est pas la taille de cet sacrifice. How valuable you have in your heart. C'est la valeur dont tu as pour ce sacrifice dans ton cœur. Whatever you can give to God today as a sacrifice, it should be valuable. Tout ce que tu as donné à Dieu comme sacrifice doit être valable, doit être quelque chose de qu'il faut. God saw what Solomon has done. Quand tu as vu ce que Salomon a fait, he said, what should I do for you? Il dit, qu'est-ce que je fais pour toi? Solomon asked one thing. Solomon a demandé une chose. Solomon asked one thing. Solomon a demandé une chose. Hallelujah. Amen. 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 God bless you. Hallelujah. Amen. There's a big brother start passing after. And then grand frère va passer après. Amen. Amen. So let me ask you this one. Quand je pose cette question ce matin. What do you have from God's sacrifice? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme sacrifice? You may not have money. Tu ne pourras pas avoir de l'argent. I've learned from elderly men of God. J'ai appris des grands hommes de Dieu. I heard from Bishop Oyedepo. De Bishop Oyedepo. He said there's one time he was making a sacrifice in his church. Il a dit il y a une fois où on faisait un sacrifice dans son église. He did not have anything to give. Il n'avait rien à donner. But in the time of asking God, God died, he had already have anything to give. Mais lorsqu'il a demandé à Dieu, je n'ai rien, qu'est-ce que je donne? The suit he was putting on had golden buttons. La veste qu'il portait avait les boutons en or. Il les a tous coupés. So this golden button is a very, it's coming from a very precious suit. Il dit ce bouton noir vient d'une veste vraiment précieuse. So I cannot give anything to my God that costs me nothing. Que je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas vraiment coûté. Il les a coupés et donnés comme sacrifice. And you know how much you bought those golden buttons? Et vous savez combien il avait acheté ces boutons? Laissez comme ça. Amen. I remember some years ago. Je me rappelle il y a certaines années. The sacrifice that I did not have anything to give. On a dit l'heure de sacrifice, je n'avais rien à donner. I sacrificed phone about 2 times on the altar. J'ai sacrifié mes téléphones plus de 2 fois sur l'autel. There's another time I did not have anything to give.
Il y a un autre voie, je n'avais rien donné. You can go and ask back. I'm not trying to make you to. Tu peux te renseigner. Je ne suis pas de. My new brother is super tall. Mon père, le sucre que j'avais acheté. If I managed to get you with 7,000, that's a wrong one. Si j'avais essayé jusqu'à les poils et chaussures de celle avec qui j'ai tué. I was sacrificed time. Et c'est l'heure du sacrifice. That one was the most dangerous sacrifice I've ordered in my life. C'était là le plus grand sacrifice que j'ai fait dans ma vie. When I look around my life, I don't have anything to give. Quand j'ai regardé, je n'avais rien donné. I don't move my shoes. I don't have anything precious in my life. J'ai enlevé les choses et j'ai dit, Seigneur, voici ce qui m'est précieux. Do you know what happened? Vous savez ce qui s'est passé? I walked from the church to the house barefooted. J'ai marché de l'église à la maison, pieds nus. It may sound crazy. Ça peut sembler vraiment la folie. But I was walking my way to the top. Mais j'ai travaillé mon chemin. So if God starts blessing me today, don't Dieu commence à me bénir aujourd'hui, je ne peux pas aller jeûner. Hello. Merci, amen. You may not understand the type of sacrifice I've done. Tu ne pourrais pas comprendre ce que j'ai eu à faire. There's a time I get a sacrifice from my television. Il y a un temps où j'ai eu à sacrifier ma télévision. One day my elder son came to my house. Un jour ma grand-sœur est venue chez moi. By then, that time she was still in the village. À ce temps, elle était encore au village. In the Sunday service that they talk about sacrifice. Le culte de dimanche, on a fait le sacrifice. And when I carry my desktop. J'ai porté mon ordinateur. Sacrifice at the altar. Tu m'as donné ça à l'hôtel. C'est pas ce foolish. Il dit parce que tu es fou, tu es bête. Agreed. J'ai accepté. Amen. Amen. That is the only thing that was keeping me from keeping my house busy. C'est tout ce qui rendait ma maison vraiment agréable. There's nothing too expensive for me to give to God. Il n'y a rien de très coûteux pour moi de donner à Dieu. Listen to me. Exactement. If you don't sacrifice to God, you will sacrifice to the devil. If you don't sacrifice to God, you will sacrifice to the devil. So you sacrifice to God, you will sacrifice to the devil. Have you heard what I'm saying? You don't comprendre. You like to say no, give up. Même si tu ne donnes pas. Hospital, they will show you the route. Les hôpitaux vont te montrer le chemin. Hospital will show you the route. Les hôpitaux vont te montrer le chemin. I remember last time I went to Etukobe Hospital. Je me souviens la dernière fois que tu es allé à l'hôpital à Etukobe. As I was there, God has shown a friend pastor that he is going to not say anything. Comme j'étais là, Dieu avait montré un ami pastor qui par là-bas ne va rien voir. And when I was in the hospital, he called me. Quand j'étais à l'hôpital, il m'a appelé. So I saw you in the hospital. Mais j'étais vu à l'hôpital. And when? All the tests you did were all negative. Et tu es allé et tous les tests étaient négatifs. But then I'm not doing the test. À cette heure, je n'avais pas de quoi faire les tests. But I have to do it. Mais je me suis dit que je dois le faire. God don't want to spend my money unnecessarily. Je ne voulais pas que je dépasse. The little things that you think that are not important, God sees them important. Même les choses que tu ne vois pas comme importantes, Dieu les voit comme importantes. All the hair on your head, God sees it and knows all the number. Then you are this little by a ladder, God matters about it. Si tu connais le nombre de cheveux que tu as sur la tête, il y a tout dans ta vie est important à Dieu. Your child will die. Ta fille, ta you don't have any treatment. Tu es malade sans traitement. Who told you that? Our God is not a wicked God. Qui t'a dit que notre Dieu est un Dieu méchant? Amen. Amen. Maybe it's because you're not done what you want. Peut-être c'est parce que tu n'as pas fait ce que Dieu veut que tu fasses. I am sure in my heart. Je suis certain dans mon cœur. Que c'est meilleur pour quelqu'un ce matin. Les gens ne répondent pas amen parce que vous savez que vous devez faire quelque chose. Et de l'autre côté, il fallait seulement dire je reçois, vous allez dire amen. Est-ce que vous comprenez? Nothing should be too big for you. Rien ne doit être plus grand pour toi. But if I did not tell you that, don't steal your phone. Mais si ne vous dis pas comment voler ton téléphone. Tu vas venir donner ça quand on ne vole pas. Non, I will not tell you that. Je ne veux pas te dire ça. Let your heart tell you. Tout ce que ton cœur te dit. You want to sacrifice for this one. Et tu veux sacrifier à Dieu ce matin. Let me tell you another way to sacrifice. Je vous dis une autre manière de sacrifier. You might say God in 9 months. Je vous dis Seigneur en 9 mois. I have a serious business to this church. J'ai un business sérieux avec toi. I want to give my life to you in this church. Je veux dédicacer ma vie à toi. To take the heart is the king of this church. Le François de nettoyer la salle tous les jours de réunion. Non, devant le tête que Seigneur sacrifie ma vie. Listen to me, that sacrifice can never go in vain. Ça ne va jamais aller en vain. Before something attacks God was taken of it. Avant que juste attaque Dieu François. Any true man God uses to see things. It doesn't come like that. Chaque vrai homme de Dieu que Dieu utilise pour les choses ne vient pas comme ça. Hello. Hi. It's a hard truth, but that's the truth. C'est la vérité qui est une message. Je dois vous le dire. If my person often her mouth and tell you how she was praying in time past. Si ma personne te dit comment elle a prié le temps passé. You will surprise. C'est la surprise. You will surprise. C'est la surprise. If the husband means to tell you how far
his length he has gone with God. Non, mais je vais te dire de quel niveau il est allé avec Dieu. You'll be surprised. C'est la surprise. Amen. Amen. You have to take God seriously. Tu dois prendre Dieu au sérieux. Oh God. Il faut l'arrêter. You are playing with God like this. Tu joues avec Dieu. Tap him like the raffle. Tap him the raffle. Tu joues avec Dieu comme le ballon. Take God seriously. Tu peux prendre Dieu au sérieux. Yeah, tu sais que. Jesus is serious now. Quand I'm serious now. Take us serious. Dieu sérieux. Are you getting what I'm saying? Excusez-moi, take us serious. Prends Dieu au sérieux. Prends ton monde là. Ne parle pas au-delà de là. You know. Toi qui connais. Take us serious. Prends Dieu au sérieux. Take us serious. Prends Dieu au sérieux. In Jesus' name. Amen. Now you know. C'est toi qui connais, je te le dis. I remember, oh God, let me look at that. Je laisse comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais te dire maintenant. La vérité, ça va te dire une. Tu n'es pas. Mais c'est important pour les whole guys. C'est très important pour toi. C'est important pour vous. Pour tout le monde. Amen. Amen. Where is your sacrifice? Quel est ton sacrifice? You just come to church and you sit comfortably as if. Tu viens à l'église, tu t'assois comptablement comme si tu avais besoin d'un père. Dieu ne veut pas les spectateurs. Dieu veut les acteurs. Peut-être ici ou à l'autre église que tu veux aller. God want actors. Dieu veut les gens qui agissent. Amen. God want people participate. Dieu veut les gens qui vont participer. Not people who are watching. I say amen. Pas les gens qui seront les spectateurs qui vont dire amen, je reçois. If you came to be a spectator, tu es venu pour être spectateur. Amen, pacha. Amen, vous êtes pacha. J'ai fait pacha au sein. I don't come so let me repeat my talk. God, but don't pray, don't pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Please. Let our heart be given to God. S'il vous plaît, que nos cœurs soient donnés à Dieu. If you have blessed a sister, if tu veux bénir une sœur, do it as if you are doing unto God. Fais-le comme si tu es en train de faire un Dieu. If you have blessed a brother, si tu veux bénir un frère, fais-le comme si tu es en train de faire un Dieu. Are you getting what I'm saying now? Vous comprenez? Don't begin to put strings attached. N'attache pas les ficelles. Amen. Amen. Last scripture, let me run up. Deuxième passage. Psalm King chapter 3, verse 21 to 27. Deux rois 3, 21 à 27. Psalm King chapter 3, 21 to 27. Deux rois 3, de 23 à 27. Things must change your life. Les choses doivent changer dans ta vie. Things must change. Les choses doivent changer dans ta vie. The battles you have been fighting your life long. Il y a certaines batailles dont tu as arrivé pour longtemps. It seems not to go. Et c'est comme si ça ne vache pas. I want to tell you that je vais te dire que la parole de Dieu n'a jamais menti. Are you what I'm saying now? Vous me comprenez? God has come to your rescue now. Dieu va venir à ton secours. In Jesus' name. Amen. Amen. So, friend reader, en français. Please take it from me. Deux rois 3, 23 à 27. 21 à 27. De 21 à 27. Cependant, les Moabites, ayant appris que les trois rois venaient les attaquer, avaient mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes, et même ceux qui avaient passé l'âge et avaient pris position sur la frontière. Le matin, quand ils se levèrent, les soldats Moabites virent en face d'eux des eaux rouges, comme du sang, car le soleil se reflétait dans l'eau. Ils s'écrièrent : c'est du sang ! Certainement, les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre. Et ils se sont mutuellement entretués. À présent, Moabit courant au pillage. Et ils se poussaient sur le camp des Israélites. Mais ceux-ci surgirent devant eux et les battirent. Puis les poursuivirent après les avoir mis en fuite. Ils pénétraient plus avant dans leur pays et leur infligèrent une lourde défaite. Ils détruisirent les villes. Saccagèrent tous les champs cultivés en y jetant chacun sa pierre jusqu'à ce qu'il en soit couvert. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Finalement, seule la ville qui hachait resta intacte, mais elle fut encerclée et attaquée à son tour par les hommes armés de fronde. Quand le roi de Moab comprit qu'il ne pouvait résister à l'attaque, il prit avec lui 700
700 soldats armés d'épées et tentant de s'effrayer un passage en direction du roi des Dômes. Mais il n'y réussit pas. Alors il fit venir son fils aîné qui devait lui succéder sur le trône. Et il offrit en holocauste sur le rempart. À ce spectacle, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent l'un du roi et rentraient dans leur pays. Amen. All the people of Moab heard that the kings had come to fight them. So all men old enough to bear arms were called to fight. They stood at the border. When the Moabites got up early in the morning, as the sun was rising over the water, they saw the water from a distance. It was as red as blood. They said, "It's blood. The kings have been fighting one another and have killed each other. Now, Moabites, let's take their goods." So when the Moabites came to Israel's camp, the Israelites attacked them, and they fled from the Israelites. Israel went after the Moabites and defeated them. Then Israel tore down the cities, each man throwing rocks on every good field until it was covered. They sealed every well and cut down every tree, every good tree. Only the stones in the walls of Kir-Hishereth were left. Soldiers surrounded Kir-Hishereth and attacked it with slings and stones. When the king of Moab saw he was losing the battle, he took 700 swordsmen to try to break through to the king of Edom, but they couldn't do it. Then he took his first son, who would have succeeded him as king, and sacrificed him on the wall as a burnt offering. There was bitter anger against the Israelites, so they went home to their own country. Amen. Amen. Usher, don't have no voltage in your eyes. Maybe Usher is having no voltage. Amen. So Usher, you go around, see that people are not having no voltage, okay? Amen. So this is a very fantastic story. Voici un histoire vraiment fantastique. You see, this one tells us a lot of things. Cette histoire, cette passage nous dit beaucoup de choses. Battle stands in this pattern in this passage in the Bible tells us about the battles of our lives. Cette bataille dans la Bible parle de bataille dans nos vies. From various directions. De toutes dimensions. Are you what I'm saying now? Est-ce que vous comprenez? But at this time, à cette temps, the Moabites were powerful. Les Moabites étaient puissants. They went to collect their goods that they have seen that they went to go and collect. Et ils sont allés pour prendre les butins. Amen. Amen. And they discovered that ils ont rendu compte que the children of Israel were in charge. Les enfants d'Israël étaient en charge. And they confronted the children of Israel. Et ils les ont confrontés. And the children of Israel defeated them. Les enfants d'Israël les ont vaincus. From every angle. De tout niveau. And the king of Moab came back. Le roi de Moab est rentré. And 700 men again. Il a pris 700 hommes. To break through. Pour percer. Not. Mais il n'a pas réussi. He's telling us that on battles in our life that you have to stay strategic. Il a nous fait comprendre qu'il y a certaines batailles dans nos vies, nous devons faire les choses. Il y a certaines choses dans nos vies, nous devons changer les stratégies. Sister, you don't pray too much. Ma soeur, tu as beaucoup travaillé. Change strategy. Tu as beaucoup prié, il faut changer ta stratégie. Change ta stratégie. Amen. So this king went back and took his only son. Ce roi est allé prendre son fils. Who has succeeded him after he has succeeded après sa mort. He sacrificed in the battlefield. Il a sacrifié dans le champ de bataille. And the Bible says, God anger turned against the children of Israel. Et la Bible déclare que la colère de Dieu s'est tournée contre ses propres enfants. La colère de Dieu s'est tournée contre ses propres enfants. And the children of Moab won the children of God. Et les enfants de Moab ont gagné, ont vaincu les enfants de Israël. This is a secret I'm teaching you now. Voici un secret que je vous enseigne. Take it very well. France se crée très bien. There are some battles in your life that have been defeating you because they have done some greater sacrifice against you. Il y a certaines batailles dans ta vie qui ont eu à te, yes, des choses dans ta vie qui ont eu à te combattre et à te vaincre parce qu'on a so fait un sacrifice plus grand que toi. Arise and do a greater sacrifice. Donc, nous devons nous lever pour faire un sacrifice plus grand. Aïe, aïe, c'est ce qu'on a fait contre nous. A greater sacrifice that pains you so much. Un sacrifice qui était fait du mal. The king of Moab did the only thing that could set up his heart. Le fils de le roi de Moab a fait ce qui devait vraiment déchirer son cœur. The person who would have succeeded him. La personne qui devait le succéder. He killed him. Il a égorgé. Do you know what it means? Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire?
And the battle turned against the children of Israel. Et la bataille s'est tournée contre les enfants d'Israël. Have you seen that battle? The battle turned against you. Est-ce que tu as compris que le bataille est plus fort que toi? The enemy has done the sacrifices and has turned the hand of God. Les ennemis ont fait des sacrifices contre nous. La main de Dieu contre nous. I just want to say here. Tu me comprends? We have prayed enough. On a assez prié. We don't pray too much. On a beaucoup prié. Without any action. Sans action. We need to be praying and applying the principles of God to work. Nous devons prier et mettre les principes de Dieu en marche. Today we're not going to pray. Aujourd'hui, on va pas seulement prier. We'll combine some principles. On va combiner avec certains principes. That will work for you. Qui vont marcher pour nous. Are you understanding that? Tu me comprends? I think I will have to end there. Tu vas arrêter ici. But if we must succeed, si nous devons réussir, ask anyone who has gone up there. Demande à tous ceux qui ont arrivé là-bas. They have done a lot of sacrifices. Ils vont vous dire qu'ils ont fait des sacrifices. Why the kingdom of heaven or the kingdom of God? Soit le royaume de Dieu, le royaume de l'enfer. The principle of sacrifice remains the principle of sacrifice. Le principe reste le même. Are you saying yes? Amen. The principle of sacrifice remains the principle of sacrifice. Le principe de sacrifice reste le même. Ask any person who has gotten degrees and diplomas. Demande à tous ceux qui ont eu les diplômes et les degrés. Ils ont sacrifié beaucoup de choses le sommeil pour y arriver. Il y a des gens qui ont fait de l'argent. Et on a dit j'ai fait beaucoup de choses pour y arriver. Mais vous savez ce que... Amen. 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 If you and I must arrive, si nous devons arriver, we must sacrifice for God. Nous devons sacrifier pour Dieu. We must sacrifice for God. Nous devons sacrifier pour Dieu. Even though it pains you, même si ça te fait du mal, let it be a sacrificial something. Que ça soit que je sacrifie. Amen. 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 On peut se mettre sur nos pieds. Continue.